bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tour de cartes. Vous allez voir, assez perturbant. Je suis tombé là-dessus et franchement, j'en connais un rayon sur les cartes. D'ailleurs, un de ces quatre, je vous ferai voir ma collection, c'est presque indécent. Je vous ferai une petite vidéo d'une visite de ma cave. Et en fait, voilà, je vais faire avec on va revenir au tour de cartes avec un jeu de cartes entier, complet. Et je suis accompagné de mon meilleur ami qui est à côté de moi et qui va me servir d'assistant. Donc en fait, il n'a même pas besoin de mélanger le jeu, on pourrait le couper et il va le mélanger après, vous inquiétez pas. Choisis une carte, celle que tu veux. Ah, le doigt dessus. Celle-là ? Ouais. Celle-ci ? Oui. Donc la sors du jeu. Oui. La sors du jeu, je vous la montre. Mmh. Tu la vois ? Oui. Je la pose dessus. Je coupe le jeu et tu mélanges. Le jeu est mélangé par le spectateur à chaque fois. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, pas de problème. Et je vais retrouver la carte d'une façon assez particulière. Et avant, je vais vous faire voir quelque chose. Parce que beaucoup de gens vont penser à un certain jeu. Et vous voyez, je passe mon doigt dessus. C'est entièrement lisse. Certains comprendront. Donc, pas d'ambiguïté. Même je recoupe pour faire voir, des fois qu'elle soit en première position ou en dernière position. Vous voyez, le jeu est entièrement lisse. Pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, ta carte est dans le jeu. Oui, d'accord. Il ne servait plus de la carte. C'est super. Mais comme on l'a vu à la vidéo, donc quand on fait la vidéo, ça ne posera pas de problème. Donc je vais regarder en quelques secondes. C'est comme ça. C'est, on tourne en direct, on continue et il n'y a pas de tralala. Et je mets le jeu sous la table. Mais juste sous la table et en quelques secondes, je vais essayer de retrouver la carte aussi, en espérant que ce soit celle-là parce qu'il ne se rappelle plus. Est-ce que tu te rappelles de ta carte? Non. Je sais plus si c'est la dame de cœur ou je sais plus. Et ben on va regarder. Et ben c'est la dame de cœur. De toute manière, vous l'avez vu la vidéo, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez, en quelques secondes, je peux retrouver la carte. C'est un truc de fou. Et ben on va recommencer. Mets le doigt sur une carte, celle que tu veux. Recommence. Vas-y, choisis. Hop. Celle-ci. Ouais. Celle-ci, je la sors. Hop, délicatement. Ouais. Là, tu la te rappelles. Vas-y, ouais. Va essayer de s'en rappeler. Je la mets dessus. Je coupe. Tu mélanges, en fait. Et il mélange, c'est un truc de dingue. Franchement, je suis tombé là-dessus par hasard et je ne connaissais pas du tout. Et l'effet est vraiment fantastique, je trouve. On dirait ce que vous en pensez dans les commentaires. Je mets sous la table, ça va très vite. Je mets sous la table et j'essaie de retrouver la carte. Attention, ça va aller très vite. J'essaie d'aller encore plus vite que tout à l'heure. Quelle était la carte ? Roi de cœur. Le ? Roi de cœur. Ben non, dame de cœur, roi de cœur, que des belles cartes. Hein. Et on y va. Et roi de cœur. Voilà, on pourrait le faire indéfiniment. Franchement, un tour de malade avec un jeu entier. Là, ils sont dans l'ordre, mais ils sont d'une importance. Et j'espère que ce tour vous a plu. Je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt. Et pensez à liker et abonnez-vous surtout. Merci beaucoup.